Depuis longtemps, les créatures préhistoriques fascinent. À quoi ressemblaient-elles vraiment? Quels sons émettaient-elles? Comment se déplaçaient-elles? À la question de leur déplacement, des biologistes et des roboticiens apportent une réponse. Pour comprendre la locomotion de certains de ces animaux, ils ont étudié Orobates papsti. C'est le fossile qu'on voit là. On sait qu'il est sorti de l'eau pour se promener sur Terre il y a environ 350 millions d'années. C'était l'ère paléozoïque. Ici, on voit ses empreintes de pas fossilisées. Grâce aux empreintes et aux fossiles d'Orobates papsti, les chercheurs ont pu modéliser en 3D le squelette de l'animal et ses empreintes. Ils ont ensuite effectué 512 simulations de la démarche de l'animal pour enfin trouver celle qui correspondait le mieux à l'anatomie de la bête. Problème, la friction de l'animal avec le sol ou la gravité terrestre ne sont pas représentées fidèlement avec des simulations par ordinateur. Alors, pour voir ce que cela donnait en vrai, les chercheurs ont utilisé Orobo, un robot biomimétique. Grâce à ce robot, les scientifiques ont effectué des petits réglages supplémentaires comme le degré d'inclinaison de la colonne vertébrale ou l'écartement des pattes d'Orobates papsti. Résultat, ils peuvent désormais dire qu'Orobates papsti avait une démarche proche du caïman. Ensuite, ils ont voulu vérifier la validité de leur modèle numérique. Pour cela, ils l'ont appliqué à des espèces vivantes comme le caïman ou la salamandre. Ils ont pris leurs empreintes et le modèle numérique de leur squelette. Ils ont obtenu des résultats qui collent à leur vraie démarche. Bon, mais à quoi tout cela peut-il bien être utile? Eh bien, c'est important parce que cela pourrait aider à découvrir la façon dont nos ancêtres ont quitté l'eau pour la terre ferme.